Rabbi Shimon ben Benassia Omer, Eze ou Mouvat lo yuchal itkon. Ze aba la herva ve olid mimena mamzer. Shemishmor. Quelqu'un, il était avec une femme où il a amené un enfant mamzer, herva. Est-ce qu'il y a une réparation à réparer dans un mamzer qui est gêné? Alors la Gemara dit comme ça. Holid in, lo holid lo, bapashtut. Mais pashtut holid que quand il a eu un enfant qui est né. Mais s'il n'a pas eu un enfant qui est né, non. Ve'atania, Rabbi Shimon ben Benassia Omer Gonev Adam. אפשר שיחזיר גנבו ויתקן. גוזל אדם, אפשר שיחזיר גזלו ויתקן. אבל הבעל אשת איש בעשרה לבעלה, נטרד מן העולם, והלך לו... גזל, זה טרק רב. בוא, מגזל יפה תשלומי כפל, יקו קרן. וזה נום, אבל בוקו דארוגנס, בוקו דה... Il est culotté. En plein journée, il vole. Quand même, la Torah, qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a dit, c'est là, vanita klaase. L'autre xol. Vehejiv te gezela, chagazat, si il a volé. L'autre ignov. Vehim karbik devato. Il y a un moyen de réparation. Mais, eshet ish, il a interdit la femme sur son mari. Même s'il n'a pas eu un enfant, la Gemara pose la question. Il y a ici. Il y a une question dans le poskim. Vous savez que la Gemara, c'est écrit dans la halakha. Pourquoi une femme, elle est assoura la baal ve la boel, elle est interdite à son mari, vadaï, la Torah l'a dit. Et midé rabanan, elle est interdite. Il y a un smach de horaït, midé rabanan, elle est interdite même sur la personne qui l'a interdite sur son mari. C'est-à-dire qu'il est obligé de la divorcer. Même s'il a épousé, il est obligé de la divorcer. Pourquoi? Parce qu'il a interdit sur son mari. Parce qu'il a interdit sur son mari. C'est pour ça qu'on lui demande. Pour ça, on lui demande. On lui dit, tu as fait perdre une relation, tu n'as pas le droit. Même s'il a épousé, il doit la divorcer. Alors, il y a des poskims qui parlent de Boel Cheni. Pas la première personne qui l'a... C'est-à-dire, elle était mariée. Comment il peut la divorcer s'il n'a pas divorcé? Non. Ah, il n'aura pas le droit de l'épouser. Le deuxième, la personne qui a eu la relation avec elle, même s'il s'est marié avec elle, il faut qu'il divorce. Ah, certes. Elle a divorcé, s'ils ont des enfants en commun, les enfants sont en mamzer. Mais il y a une interdiction à eux de rester dans le couple. Il y a une interdiction. S'il y a des enfants qui sont nés de ce deuxième mariage, sont mariés. Après qu'elle a eu le guet de son mari, elle a trahi son mari, ils ont divorcé. Avec la personne avec qui elle a trahi son mari. Elle s'est mariée avec lui, elle a eu des enfants, les enfants ne sont pas mamzer. Mais il y a une obligation de divorcer. Et si le premier mari, il a eu des enfants avec elle? Non, le premier, il n'y a pas de problème, le premier. Non, une fois qu'elle est à Soura. Pareil, les enfants ne sont pas mamzer. C'est qu'un interdit sur l'homme. Il n'y a pas de mamzerout dans les enfants. Ça veut dire, une femme a trahi. Voilà, une femme a trahi son. Elle est revenue avec son mari. Oui, le mari l'a pardonné, il lui a dit. Et alors, elle a des enfants. Parce que les enfants sont mamzerout. Non. Après la relation. On avait un cas comme ça, Arnof. On avait un Baal Tchouva, Arnof. C'est pour ça que ça m'étonnait que quand le Cohen il se marie avec une Groucha, les enfants sont même. Parce qu'il y avait Lo Yachalel Zaro. La Torah a dit Velo Yachalel. Hana Sahidel. Ils sont Khalalim. Khalalim. Pas Mamzer. Non, pas Mamzer, ils sont Halal. Ils sont pas Mamzer, ils sont Halal. On peut se marier avec Dakar Cohen, on ne peut pas se marier avec eux. Non, même à Israël, s'il se marie avec eux, sa fille, elle sera interdite les Kiouna, elle sera Halala. Pareil. Dans les poskim,
Alors, dans les poskim, il y a une question. Dans les poskim, il y a une question. Est-ce que la deuxième personne, ça veut dire une femme, elle a trahi son mari avec deux hommes. Elle a été interdite avec son mari par le premier déjà. Est-ce que le deuxième, il est interdit? Parce que ce n'est pas lui qui l'a interdite sur son mari. Elle était déjà interdite. Alors, ça s'appelle Boel Sheni. Il y a un chidouche du Mahara, ça sonne. Il y a des poskim qui veulent autoriser. Mais la majorité des poskim, ils sont contre. Ils disent, tout homme. Autorisé à se marier avec elle? Oui. Tout homme qui était avec elle sans qu'elle ait le guet est interdit. Bon. Alors la Gemara, elle pose la question. Alors, elle dit. Alors là-bas, le Sheni va s'arrêter. Là, Nitrat Mina, Olam Ve'alachlo. Rabbi Shimon Bar Yochai, Ben Yochai Omer. Et Nomer. Bakirou Gamal, Bakirou Hazir, et la Bakirou Talé. Dans les Korbanot, on n'a pas demandé de voir le porc ou le chameau. Il n'y a pas de question. Il est, mais sur qui on se pose la question? Sur le Talé. Sur le Talé qui est cachère. Il a fait, donc il te dit, il y a quelqu'un, il y a un homme cachère, il te dit, moi, tu t'adresses à moi? Moi, je suis. Adresse-toi à celui-là qui fait des tellement grandes avérotes. Adresse-toi à celui-là. Pourquoi tu viens chez moi me voir pour des. Alors on lui dit, bah, Kérou Talé, on vérifie celui qui est cachère. Vézé, c'est qui? Zetamit Raham, chez Piresh Minatora. Rabish, Yoda Ben Laki Shomer. Quoi, Zetamit Raham, chez Piresh Minatora, là, Bakatou, Omer Ketsipo, Nodedet Mikina, Ken Ish Noded Mimekomo. Comme un oiseau qui quitte son nid. Ainsi, l'homme, il a quitté sa place. Le prophète Yirmiyahu dit à Am Israël, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mal chez moi qui se sont éloignés? Alors bon, tout ça, c'est pour dire quoi? Tout ça, c'est pour dire... Tout ça, c'est une braïta. C'est pour dire que le Issor de Merovat, Asher lo yuchal litkon. C'est pas que dans un mamzer, c'est même dans une simple trahison. C'est-à-dire que l'ichora abal eshet ish, il n'a pas de tikkun. Zelo shayach, s'il a eu un enfant ou il n'a pas eu un enfant, c'est déjà une autre chose. L'ichora, d'après la question. Alors, la Gemara répond deux réponses. La kashia. Kan be'achoto penuya. Kan be'eshet ish. S'il était à Chemishmor avec sa femme, célibataire, sa sœur. Elle fait une avéra à Rayot. Pnouya, elle n'était pas mariée. S'il n'a pas eu un enfant, il y a une réparation. C'est lui par rapport à Hachem, il a réparé. Il y a une tchouba. Mais avec une échette ish, il y a déjà un fait qu'elle est interdite sur son mari. Donc déjà, c'est un rappel pour lui qu'elle est interdite. Viba et Emma. S'il y a eu un viol, c'était contre le gré de la femme. C'était contre le gré de la femme. La femme, elle n'est pas interdite à son mari. Une femme qui a été violée, elle n'est pas interdite à son mari. C'est Kan. Alors la Gemara a dit Kan be'ones, Kan be'ratzon. Une femme qui a été violée par quelqu'un, elle n'est pas interdite sur son mari. Donc, il a fait une avéra par rapport à elle. Il a fait une avéra par rapport à Hachem. Alors il a un tikkun lichora, ça paraît bizarre, quoi. Non, on peut dire aussi si elle a divorcé après. Celui qui est allé. Il l'a interdit à son mari. Son mari. Attends. Celui qui est allé quoi? Il est allé avec elle chez Tish. Nous, on veut dire elle, non. Elle a divorcé. Oui. Donc, elle, au moment où il va avec son mari, où il va avec sa femme, elle devient à son mari. Une fois qu'elle a divorcé, elle n'est plus à soi. À qui? Donc, il y a comme un tikkun, quoi, quand il y a un divorce au final. Non, mais il a interdit. Comme il a interdit sur son mari, il a cassé. Il a fait une rupture dans leur relation. De toute façon, ils allaient divorcer la semaine d'après. Mais de l'homme chané.
Peut-être qu'il aurait pris Shalom Bayit. Là, elle est interdite, même s'il veut. Non, je pourrais dire que peut-être ça aurait pu se retourner. On aurait pu croire qu'en divorçant, elle n'est plus interdite. Et donc, parce que si elle est interdite, après, est-ce qu'elle peut se remarier à lui ? Si elle divorce, il peut se remarier ? Non. Si la relation entre les deux était au moment qu'elle n'avait pas de guette, elle est interdite. Mais en pratique, là, aujourd'hui. Mais pareil. Mais c'est une catastrophe ce qui se passe en France aujourd'hui. Parce que ça prend 2 ans, un divorce rabbinique. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas envie d'exposer le problème. Mais le problème en France, c'est les non-religieux, même en Israël. En Israël aussi. Non, mais en Israël, un divorce, du moment où il y a l'accord des deux, c'est 1 mois. Des fois, le mari demande d'écrire dans le guet que sa femme est autorisée à tout homme, sauf à tel et tel qui devait casser la... Et on écrit ça. Quand il y a des preuves, on écrit. Dans le Maaseh Beit Din. Même en France, ils écrivent. Que qu'elle est autorisée à se marier à tout homme, sauf à tel... À celui-là. Oui. Quand il y a des preuves, ils amènent des vidéos, des témoignages. Bon, j'ai assisté une fois, ils écrivent. Le mari dit, à condition, il dit, il va pas gagner parce qu'il a fait ça. Il peut demander, ouais. Il peut en poser. Ils écrivent dans la Théouda. Après, elles peuvent aller mentir, ne pas amener cette Théouda. Hein. Elles peuvent aller se marier ailleurs. Si elles se marient à l'étranger. Elle amène un fonds Maaseh Beit Din. C'est pas marqué dans les lunettes. Non. Il y a une Théouda Maaseh Beit Din avec la photo de la femme. Non. Elle reçoit une attestation. Il est écrit qu'elle peut se marier avec tout le monde depuis 91 jours après le divorce pour ne pas les 3 Khotchev Hana, qui n'est pas qu'elle est enceinte, et un Kohen. Ça, c'est le classique. Dans le Maaseh Beit Din, Mouter et Ditraten, Chol et Hadach, et Tzadik Alef Yom, ou les Bar Mikohen, sauf un Kohen. Et dans un, il y a des cas où le mari dit sauf celui-là. Et après, elle n'a pas le droit de se remarier avec son mari ? Quoi ? Non. Si elle est trahie ? Après. Non ? Non, mais c'est pour ça. Il y a des choses, il trouve des... Non, parce que ça aurait pu être métaquin. Non, c'est pas métaquin, parce qu'elle est interdite sur son mari. La Torah, elle a dit, c'est le shayach. C'est-à-dire, la Torah, elle a dit, une rupture du lien, elle interdit, zéouzé. Pour ne pas que les gens y font n'importe quoi. Ouais. Elle va être 6 mois avec celui-là, après elle revient chez son mari, mal arrêt Zima. Un homme, il ne sait plus c'est qui son fils après. Comme chez les goïms. Hein. En France, il y a 10% qu'on ne connaît pas les. C'est qui le père ? 10% des gens. Avec les vérifications ADN. Dans mon laboratoire. Tu as vu dans ton laboratoire ? Comment je peux faire ? En France, c'est interdit de faire les études génétiques. C'est interdit. Je vais conseiller d'aller en Angleterre. En Angleterre, c'est libre. On rentre dans un laboratoire. J'ai vu un film en Angleterre. Il y a des camps qui m'ont poussé ma manche. En Angleterre, il y a à l'université de. On peut pas une grande université en Angleterre. Ils ont voulu montrer l'ADN. Et ils ont testé 700 étudiants. 700 étudiants. Ils rentrent et ils sont 700 dans la salle. Et il y a le professeur qui présente le. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un frère ou une sœur dans la salle qui lève la main ? Qui lève la main ? Et il n'y a personne qui se manifeste. Sur 700 personnes. Il dit, sur 700 personnes ici, j'ai 3 frères et sœurs. Est-ce que vous êtes prêts que je dis les noms ? Est-ce que vous êtes prêts que je dis les noms ? Il dit, je veux l'accord de tout le monde. Tout le monde lève la main. Ils sont curieux, c'est des étudiants, tu vois. Et il dit, monsieur Tell, levez-vous. Il se lève, il est comme ça. Et tout d'un coup, il dit, madame Tell, levez-vous. Et je regarde et tu vois, apparemment, ils se ressemblent. La caméra, elle les amène. Chez les connus, il n'y a aucune honte, tu vois. Tu vois un truc. Et bon, à vrai dire, il y a des choses incroyables. Il y a plein de Zmout et de Zima. Alors, le Ham Israël, à quel moment il a voulu garder le Rambam dans le Moré Nevorim, il explique tout le lien des Arayot. Pourquoi ça c'est interdit. Pourquoi une divorcée, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Les gens, ils commencent. Quoi ? Stam, à quel moment il a décidé d'embêter les moines. Les Kohanim, c'était eux, ils faisaient le Shlom Bayit à l'époque.
On n'est pas que le Cohen. Non, il voit une femme qui a des problèmes de Shalom Bayit. Ouais, laisse tomber, laisse tomber. Comme ça, le rabbin dit. Pour ça, eh bien, c'est ce qu'on fait dans la halakha. Vous savez qu'un témoin de guet ne peut pas épouser la femme. C'est pour ça qu'on donne de l'argent aux témoins du guet. Comment on leur a interdit la femme? On leur donne de l'argent. Ben oui, on donne de l'argent aux témoins du guet. Ils prennent beaucoup d'argent. Quand j'étais chez le Rav Rotenberg, on était assis au Bedin. Des fois, c'était l'éveil de Pessah et tout ça. Je lui dis, laisse-moi être témoin. J'ai besoin d'argent pour la fête. Tu donnes d'argent. Dayan, je ne prenais rien du tout. Au témoin, on donnait 150 euros. Je lui dis, je veux être témoin. Bon, pourquoi? Justement, parce que le témoin, c'est le seul. Le témoin, il ne peut pas épouser la femme. Comme Aliado Inid Garcha, interdit à vie. Compensation. Non. Pourquoi? Parce que c'est là, on lui donne un Zmat Batala. Non, que tu saches, les témoins, ils sont censés à rester. Sinon, ils ne vont pas venir. Non, par exemple, un témoin dans le Bedin en France, en France, il n'y a pas de. Le guet, on le fait par commande. Donc, on n'a pas des guetines tous les jours. On a tous les dimanches, un guet, tous les deux dimanches. Alors, on amène les témoins. Il y a le sofer qui vient. Les témoins, ils sont témoins que le mari, il a acheté les kélim pour les donner au sofer. Ensuite, ils sont témoins que le mari, il a dit au sofer, prends les cris, les shmiv et les shma, et les shem kirushin. Ensuite, il reste avec lui pendant 2 heures. Et les 2 heures, le mari n'a pas le droit de parler et d'annuler le guet pour dire j'annule ce que j'ai. Après le marasen et tina, ça dure 2h30. Le papa, il était appelé une fois par mois là-bas à 10 avec le Atsour. Atsour, Ediawa Atsour. Il avait là-bas une fois par mois, il avait une série là-bas, il appelait mon père, il allait voir. Parce qu'il venait, il allait chez papa. Il n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Oui. Pour le shalom. Mais il a le droit avec une veuve. Une veuve, oui, un Kohen Gadol, non. Un Kohen Gadol, non. La veuve, parce que c'est la décision d'Hachem, il y a eu un. Non, parce qu'il n'a rien fait pour casser entre eux. C'est ça. Ok. Le Kohen Gadol, comme lui, il pouvait tuer par le chemin Meforash, pour ne pas qu'on dise un jour qu'il a tué le mari pour récupérer la femme, on lui interdit même. Oui. Oui, vas-y. Deuxième question. Alors, il y a un homme, il est marié avec une femme. Cette femme le trompe avec un garçon. Elle n'a pas le droit de se marier avec, même s'il divorce. Okay. Maintenant, celle qui trompe, ils sont mariés. Et après, la femme, elle revient avec le mari. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. On est d'accord. Dès que c'est trompé, normalement, ça n'existe plus, ces trucs de Shalom Bayit. Bon, on sait. Maintenant, il y a des fois le mariage, des fois les rabbanim, ils autorisent. Pourquoi? Parce qu'ils voient que le premier mariage, il y avait un bug dans le témoin, par exemple. Donc il s'avère qu'elle n'était jamais mariée. Donc, On trouve un truc pour les remarier. Pour les remarier, parce qu'il y a des enfants au milieu. On a eu une fois, moi, une fois, je me suis occupé d'un couple, des Baal et Tchouva français. Le mari. C'était un homme très léger. Il n'était pas correct du tout. Il tournait à droite, à gauche. Et toutes les femmes, elles disaient à la femme, regarde ton mari, comment il te rabaisse. Il a une femme qui est là-bas. Il avait une femme, tu vois, il trompait sa femme. Il avait une relation avec une femme. Et sa femme, par colère et par nerf, elle a fait pareil. Bon, après, ils se sont pardonnés. Ils n'étaient pas dans la religion. Ils ont retourné. Ils ont fait tchouva. Ils sont venus en Israël. Le mari, il s'est tellement renforcé qu'il est parti étudier la Torah. Il est parti, je n'ai pas envie de dire le nom, un des collègues les plus sérieux à Jérusalem. Ils ont tout lâché, ils ont tout abandonné. C'était des gens qui avaient beaucoup d'argent. Ils sont devenus les plus modestes. Mais quand je te dis des gens de... Avrer, le mari est devenu Avrer. Quand ils ont étudié, le mari il a étudié les sougiotes, il s'est évanoui au Beit HaMidrash. Pleurer et tout ça. Il disait dans ma tchouva, 10 ans, je me suis rapproché à Hachem tout à coup. Il fallait, est-ce qu'on divorce de la femme ou non? On a amené la femme au Bedin. On a appris au mari de ne pas croire sa femme. Il savait que d'après elle. Tu ne la crois pas. Il y a des cas qu'on étudie, ça. C'est elle qui te dit. Une femme, elle n'a pas donné manout pour dire à son mari qu'elle l'a trahi. Non, elle n'a pas donné manout. Pourquoi? Parce qu'on dit, Aenea natna be'acher. Elle veut qu'il la divorce. S'il la croit, mais la croire, une semaine il peut la croire, une semaine il peut ne pas la croire. C'est
La croire, c'est personnel. Elle ne peut pas être témoin, tu peux dire, au tribunal. Ce n'est pas une question de témoin. C'est pas une question de témoin. C'est une femme, elle vient, elle dit à son mari, tu sais, mon mari, je t'ai trahi. Ça, non. Si le mari, il la croit, Shavi Anaf Shachatira de Yisura. C'est, il la croit, il l'a interdite sur lui-même. Il y a quelqu'un qui vient chez moi. Regarde, il y a quelqu'un qui vient chez moi. Il y a quelqu'un qui vient chez moi, il me dit. Il y a quelqu'un qui me dit, ton tonneau de vin que tu as, je te l'ai rendu nécessaire. Ou il me dit, ta soupe à la viande, tu m'as énervé hier, je t'ai versé du lait dedans. Moi, je viens, je vois qu'il y a pas, je vois pas le lait. J'ai le droit de manger. Il n'a aucune émano de me dire qu'il m'a détruit mon... Mais si je l'ai cru, ça a son. Il y a une femme, elle vient, elle dit à son mari, tu es obligé, tu voulais pas me divorcer, ben maintenant voilà, tu es obligé de me divorcer. Je t'ai trahi. Avec un tel. Non, il n'est pas obligé de la croire. Lui, je te crois. Lui, il n'est pas obligé. Non. D'accord, mais s'il l'a cru dans son truc, c'est massé. Non, bah, à quel point? Alors, le Bétini dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a cru? Il a cru à 30%. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, telle soirée, je n'étais pas à la maison. Voilà, tu sais que je n'étais pas à la maison. J'ai fait ça. Ah, il a cru, il s'énerve. Après, il y a quelqu'un qui vient et lui dit, tu sais, ta femme, elle était dans un bar en train de boire de la bière, elle pleurait. Ah, alors, je ne la crois pas. C'est pour les nerfs. Alors, je ne la crois pas. La notion de croire et de ne pas croire, c'est même dans les baptêmes, c'est ce qu'ils enseignent. C'est quoi croire? Quelqu'un me dit, combien de fois, moi je te dis, pas une fois et pas deux fois, j'ai eu des histoires comme ça. Des gens qui ont dit à leur conjoint qu'ils sont partis, ils n'ont rien fait. Il y a des tordus. Maintenant, je m'occupe d'acheminement d'un dossier. Pareil, une femme pour embêter son mari, 3 fois par semaine, elle rentre à 4h du matin. Moi, je lui ai dit, ta femme, elle te trahit pas. Je lui ai dit, elle est folle. J'ai discuté avec elle, je lui ai dit, elle est folle. Qu'est-ce qui s'avère? Elle va chez une amie à elle, à Kfar Saba, une divorcée. Il fume de juin jusqu'à 4h du matin. Il a envoyé quelqu'un. Il a payé quelqu'un, il m'a pas cru. Il a payé, il s'est affaire avec ça. Elle retourne à la maison avec les yeux. Chez Michemont. Bon, maintenant, il y a tellement d'histoires là-bas dans ce couple. Elle voulait partir. Oui. Non, elle est déprimée de la vie, Elle veut qu'il agisse, elle veut qu'il a. Elle veut une réaction. Alors, elle lui dit tout le temps, je te trahis. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il va la regarder dans chemichement. C'est comme les mamzers. Oui, mais. C'est comme les mamzers, l'histoire, c'est de trouver la faille pour les permettre de continuer. Mais c'est ce qu'il dit. Alors, Kanderon et Senad, la question, encore une fois, c'est. Alors, je vous ai dit que le Mahara, ça sonne, il est Merhadesh, le Khidouche du Boel Cheni. Il dit, la deuxième personne qui a eu la relation avec elle, lui, il n'a pas interdite. Elle était déjà interdite. Est-ce qu'il a le droit de se marier avec elle? Lui, il a autorisé, Mahara, c'est ça. Bon. Ils utilisent ça dans des cas. Bon. Alors, il dit, Lokashakan, Beones, Kanberatson. Moi, quelquefois, ils sont venus me demander de faire. J'ai dit, moi je ne fais pas des terribles pour des gens qui font des. Non, il y a des gens qui viennent chez toi, ils te disent, j'étais avec une femme mariée et trouve-moi, fais-moi un sac. Le deuxième aussi, il est avec une femme mariée. Attends, dégage d'ici. Il l'a fait aussi. Hein? Il a fait la même... La cache, il y a Beones, Kanberatson, mais il va être ma. Ah, ben, Beones. Des fois, il peut avoir 2 fois Beones. Après, elle va nous dire le din. C'est pas qu'elle dit qu'il est léger. Il n'a rien fait. Honest, c'est très grave, il a violé quelqu'un. La cache, il y a Kanbeche de Cohen, Kanbeche de une femme de Cohen qui a été violée, elle est interdite à son mari. Donc, même si elle a été violée, c'est ma ouvachelo yuchalit Cohen. Vela yotse, vela ba, inchalom. Et là, la baine shalom, c'est un pasouk dans le prophète Zacharie. Il nous dit qu'il est fini à Yamim, Maem, Sra, Adam, Lonia, ou Sra, Abéma, Enena. Et là, tu sais, la baine shalom, Inatsar, celui qui rentre et qui sort de la ville, qui ne croit pas qu'il va être serein. Amarav, qui va être chez Yotse, Adam, Idvar, Alacha. C'est-à-dire que même si on fuit la ville, on est toujours. Dans le danger, oui. Là, ils ont dit que quelqu'un, même quelqu'un qui quitte la Torah, l'étude de la Alacha, pour aller étudier. Il devient pas un talmudiste, il devient un homme de la Bible. Avant, il était talmudiste. Voilà, il devient universitaire et il décide de maintenant d'étudier la Bible. On lui dit, tu vas rien comprendre dans la Torah. En shalom, shuv en lo shalom, shuv olamar zeh aporesh, mi talmud le mishnah. Même du talmud à la mishnah. On va voir tout de suite Rashi, c'est très intéressant. Et il dit, Rabbi Yohanan Omer, afilu mishas, les chasses.
quelqu'un qui a étudié le Talmud de Jérusalem. Pourquoi Rabbi Yochanan? C'est qui Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, c'est l'auteur du Talmud de Jérusalem. Lui, il a dit, celui qui quitte mon Talmud à moi et qui va étudier le Talmud de Babel, toute sa tête, elle va se déformer. D'où on sait que ce n'est pas le contraire. C'est Rabbi Yochanan l'auteur. C'est qui Rabbi Yochanan? L'auteur de cette phrase, c'est l'auteur du Talmud de Jérusalem. Donc, il ne va pas dire du mal sur son Talmud. Tout simple. Mi ba la memra. Rabbi Yochanan, ba la Talmud de Yerushalmi. L'homme Istaber qui va dire quelque chose contre son Talmud. On va voir Rashi. Non, l'homme Istaber. Mi chas Yerushalmi, les chas babli, chou amok. Qui d'amène à me s'en aider de ma marchaki, mon chivani. Chas babli ou amok. Ken. Alors, Rabbi Yochanan. Non, alors il te dit, Rabbi Yochanan, tu vas plus te tromper si tu vas étudier le Talmud Bavli. Le Talmud de Jérusalem. Non, aujourd'hui, le Talmud de Jérusalem, il est beaucoup plus compliqué que le Talmud Bavli. Parce que les gens, ils n'étudient pas et parce qu'il a un araméen particulier. Mais le Talmud de Jérusalem, dans sa manière, comme c'est un auteur, dans le Talmud Bavel, on a Ravina, Ravashi, il y a les Savoraïm dedans. Il y a beaucoup de mémorotes. Ils ont pris un ordinateur. Ils ont mis tout le Talmud Bavel dedans. Le Talmud de Babel, tu trouves des traces de 10 personnes, 15, 20. Parce qu'il y a des textes entiers qui sont devenus du Bétamidrash de Rava ou de Abaye. Aujourd'hui, on arrive à prendre des textes et on sait s'ils sont sortis d'une personne ou de deux personnes. Alors, le Talmud de Babel, il est beaucoup plus baloul, tandis que le Talmud de Jérusalem, il a un seul format sur le Talmud entier. Rabbi Yochanan, il a arrangé, c'est plus facile d'étudier. Même que le langage, il est plus dur, les mots sont plus durs, mais le raisonnement, tu as un seul raisonnement dans tout le Talmud. Tandis que dans le Talmud de Babel, tu as besoin d'apprendre le raisonnement de Rava, celui d'Abaye. Qu'est-ce qu'il a dit Rav? Mais pourquoi Shmuel? Des fois, il y a un Mora qui vient du Bétamidrash de Shmuel, donc ça se vara. Sa manière, c'est comme si tu étudies l'étude de Brisk et tu prends l'étude de Slabodka. Tu prends les. C'est une manière différente complètement d'étudier. Dans le Talmud de Babel, il faut avoir la finesse d'esprit de comprendre toutes les sortes d'études. Tandis que le Talmud de Jérusalem, il est fluide. Même que dans les mots, il est compliqué. Mais il a une logique. Parce qu'il a, des expressions à deux, comme en arabe. En arabe, tout langage. Là, par exemple, tu prends le Chovot al-Vavot. C'est l'hébreu des anciens, l'hébreu de l'Espagne. En deux mots, il donne une idée. Dans un dialecte, en deux mots, tu ne dis pas une idée. C'est un dialecte. Il faut 15 mots pour dire l'idée. Le Talmud de Babel, l'araméen de Babel, c'est un dialecte. Il est plus facile. Le langage, c'est pas un araméen classé. L'araméen de l'époque, c'était aussi un langage commun, même chez les chrétiens, chez toute la région. L'araméen d'Eretz Israël, c'est un bel araméen. Avec deux mots, tu dis une phrase. Darin, ça veut dire l'Agmara dit. En Babel, pour dire, il te dit, comment tu peux dire une chose pareille? Et le Talmud de Jérusalem, il dit, Arin, ceci, tu veux dire ça? En un mot. Des fois, dans la Gemara, elle pose la question, dans le mot de Babel, en deux mots, Talmud de Jérusalem, deux mots, tu as la question. Talmud de Babel, ça prend, Betivle, Ve'aya, Itmar, et il rentre. Talmud de Jérusalem, il est très. Trois phrases du Talmud de Jérusalem, c'est une page de Gemara Talmud Bavel. Beaucoup plus concentré. Bon, alors, il a dit. Bon, il a parlé de ça. Mais on va voir Rashi. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a Tosfot intéressant ici. On va voir. Est-ce qu'il y a Shemam Zer, Mechaïve, Kretot, etc. Alors, Nitrad Mina Olam, les lignes larges de Rashi. Tafet Amoud Bet, deuxième ligne des lignes larges. אין לו עוד תשובה לפי שעשה דבר שאין לו רפואה. אין אומר בקירוב גם על זה לקורבן. כלומר, מישהו מעובד מתחילתו, אין זה מעובד, אלא אקספיקי לפחות רבי שמעון. אין פעם עליו פורט סקריפייה, שמו. אין לו ורפי פה למזבח, לא. אלא בקירוב תלה זה לקורבן שמה נפל בו מום ונתקלקל. כך לשון קלקול, ולנגש דמו קלקול נופל באדם שהיה טוב מתחילה. אחותו פנויה. הוליד אין לו, הוליד לו. שיא לפלה. S'il a un enfant, il y a un mamzer. S'il n'a pas fait, il n'y a pas de mamzer. Bechet ish, belo olit nami yezikaron la avonon. Même s'il n'a pas eu un enfant, yezikaron chez Asara al-Baala. Il a interdit sur son mari. Loshna achoto ve loshna nochit. Beones,
Loi. La sœur aussi est assoie. Enfin, non, pourquoi? La rayotte, quoi. Pas assoie sur personne. Non. Elle a fait une avère, demain elle peut se marier. Oui, mais. Alors, s'il n'a pas eu d'enfant. Non, il n'y a pas un zikaron, il n'y a pas un enfant. Ouais. Qui... Il y a un acte dedans de divorce. Toute sa vie, on sait, ça a été publié, elle a dû divorcer de son mari. Il a fait un effet qu'il ne peut pas arranger. Il a fait un effet qu'il ne peut pas, qu'il est irréparable. Quand même des séquelles avec sa sœur, c'est pas. C'est tout ce que tu. Là, c'est très intéressant. C'est pas donné de la légitimité. C'est expliquer le côté Benadam la Chavero qu'il y a dans la Avera de Benadam la Mako. Ça veut dire, il y a un Benadam la Chavero. Le Benadam la Chavero, le mari, il est innocent dans cette histoire. Même que tu vas me dire, le mari, c'est un pourri, il s'est mal comporté avec sa femme, tout ce que tu veux. Tu peux le dire, tu as des reproches. Mais toi maintenant, toi et lui, tu lui as fait du mal, ça c'est irréparable. Un homme avec la herva la plus grave, sa sœur, il est chayav mita, tout ce que tu veux. Lui et sa sœur, c'est chayavim. Mais il n'y a pas eu du mal à une autre personne dans la relation. Chesed, c'est très grave. Non, chesed, c'est comme je dis chesed en arabe. Un mélange, oui. Oui, un mélange. Un chesed chesed, c'est quoi cette... C'est chesouda. Il dit le Rashi là-bas, Chesouda, c'est comment en arabe? Alors, il y a un mélange, Tevel aussi, Tevel c'est Bilboul, Tevel Asou, Chesed Asou. Il y a un Midrash, il y a un Drash qui dit, c'est Chesed parce que la première personne qui est née dans le monde, il s'est marié avec sa sœur. C'est venu de ça. C'était un Chesed. On ne parle pas là-dedans. A Kopanim, c'est Asou. Hachem, ils ont interdit d'être. Là, on parle de quelqu'un qui fait un problème de Ben Adam Lachaber. Il y a une relation interdite avec sa sœur, même que tu... C'est beaucoup plus grave d'être avec sa sœur que d'être avec une échétiche. Échétiche, c'est une attirance normale d'un homme vers une femme. Bon, elle est mariée. Mais être avec sa sœur, c'est Moukhté Minadat. Tu as grandi avec elle. Il faut être tendu à un point. Si une fille, elle n'a pas de liberté, elle a besoin de se préserver même chez elle à la maison, alors où elle va aller? Elle va s'enfermer dans une grotte. Ajoute. Alors, c'est beaucoup plus grave dans les yeux de la Torah. On ne parle pas maintenant de la gravité par rapport à l'action. On parle d'une action qui fait du mal à quelqu'un. Ça, c'est l'œil Khalid Khan. Be'ones, lo asara al-ba'ala, l'efika cholid in, lo olid lo. Be'ratzon, asara al-ba'ala, eshet kohen. Afilu be'ones asura le-ba'ala, biktubot. Ve'il lo nitpasa, asura. Azu, Anit, pas un mouter, et tu sais, la dans ma sac, tu m'as dit, qui c'est? Vezoï, Echet Israël, ou me dit, hi, c'est Mirout, hi, Dafka, hi, elle n'est pas une autre. Mirout a le mal, le chayesh, le chayeret, Shafal, pichit, pas ça, Asura, Vezo, Zou, Echet Kohen. Et bien, c'est un limout gamour, c'est un histoire de Horaïta. C'est pour ça qu'elle a besoin de divorcer. Une Echet Kohen. Elle a interdit ça. C'est pas un histoire de Rabbanan. C'est de Horaïta. C'est étonnant parce que la raison pour laquelle on a dit que la broucha elle est interdite, c'est pour la cause du shalom. Alors que là, elle est déjà mariée avec lui. Donc même si elle a eu un honnête. C'est pour garder un niveau de kéonim. Parce que même dans un honnête, comme que la Torah elle accuse quand même, les femmes ne vont pas aimer ce discours. Mais quand Dina a été violée, elle a été critiquée. Non, elle n'a pas cherché. Elle sortait trop, elle se promenait. Ouais, bon. C'est ça. Le Targum Munkelos, il appelle Nafkat Bara, chez Michemont. Quelque part. Une femme qui sort dehors. Je veux dire, un mauvais titre, il lui donne. Yeah. Le mot, bon. Encore une fois, le monde a changé. À l'époque, une femme, elle ne sortait pas dehors. Dès qu'une femme, elle sort, tu sais, chez Michemont, tu vas au Maroc. Au Maroc, prends le Maroc. Ou un pays arabe normal, depuis 6 heures du soir, il n'y a pas une femme qui sort dehors. Si elle sort, elle est toujours accompagnée, ou de son père, ou de son frère. Il n'y a jamais. Une femme qui est dehors toute seule, c'est très mal vu. Très mal vu. On l'appelle un chemichement. Si elle sort, elle a besoin d'appeler quelqu'un. Il n'y a pas. Le soir, à 6 heures du soir, tu ne vois que des hommes. Il peut y avoir des gens dans un restaurant. En Arabie Saoudite, c'était même en journée. Non, mais il peut y avoir. Saoudite, si elle sort dehors, tu payes la demande d'autorisation. Non, mais ce n'est pas une question d'autre. Non.
Encore une fois, en journée, une femme, elle peut aller, ça arrive, elle va au marché, etc. Il y a des heures où les gens rentrent chez eux à la maison. Si elle sort, c'est toujours accompagné ou d'une autre femme, ou d'un membre de la famille, ou de son mari. Bon. Alors, l'idée de la Torah, il y a 3000 ans, mais pas dire que c'était comme ça là-dedans. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas dire à une femme qui a été violée, c'est de ta faute, chez Mishmor. Non. Et c'est loin du date de dire ça. On n'est pas dans les moments, dans les circonstances de la Torah. Il n'y avait pas de magasin à l'époque, il n'y avait pas de restaurant dehors. Qu'est-ce qu'une femme est là à chercher dehors? Tu vois ce que je veux dire? Toute chaque génération avec sa génération. Mais dans l'idée à l'époque, à la base. Mais tout ce ignan, c'est que aussi on a. Une femme, elle vient travailler avec un homme dans son bureau 10 heures par jour. Il la connaît mieux que son mari. Après, elle se plaint. Encore une fois, ce n'est pas admis. Je ne dis rien du tout. Ce n'est rien du tout. Mais malheureusement, les règles de la Torah, elles ne sont pas pour rien. Quand la Torah, elle a interdit le yichud, la Torah, elle connaissait. Il y a des gens qui se comportent mal. Et des fois, il y a du etc. Et des fois, il y a de la légèreté. Il y a une rigolade. Il y a un kirouf d'at. Bon, ça, moi, je dis toujours, quand les gens me disent, je vais ouvrir un business, c'est première chose. Ne pas avoir des problèmes, travaille tranquillement. Embauche que des hommes. Une femme qui travaille, qui a un bureau, embauche que des femmes. Dans ton environnement, travaille dans un environnement propre où il n'y a pas de stress. Non, il n'y a pas de stress. Demain, qu'est-ce que tu as besoin quand même? Moi, quand je suis arrivé au bureau, du Rav Amar, il m'a dit, viens, tu seras mon Rosh Lishka. Je suis arrivé le premier jour, j'ai eu la trouille. On me donne 5 secrétaires. Même que Baruch HaBa, j'ai appelé tout de suite la personne. Il y avait 2 portes dans mon bureau. Il y a une porte pour rentrer, il y a une porte de passage et il y a une porte pour rentrer chez moi. Démonte-moi la porte ici. Enlève-la-moi tout de suite. Il me l'a enlevé. Je travaille toujours avec ma porte ouverte. Toujours. Ne pas niquer des questions. Quand j'avais besoin de rentrer, de parler, je prenais la chambre du Rav Amar. Je prenais son bureau à lui. Je rentrais dans son bureau et je faisais rentrer les gens. Dans mon bureau, toujours ouvert. Et 5 secrétaires, qu'est-ce que j'ai besoin moi, des histoires? Demain, ils vont dire que... Non. Ils m'ont dit que tu es le premier fou qui est rentré 30 ans. C'était comme ça. Dans le sens inverse, quand le mari prend sa femme, il n'y a pas d'obligation de force. Elle peut demander le divorce. Elle peut. Elle peut demander. Elle n'est pas nécessaire. Elle n'est pas obligée de pardonner. Elle n'est pas obligée. Si. Elle peut accepter et continuer. Si elle veut pas, non. Elle ne devient pas sourde. Elle ne devient pas sourde. Lui, il n'est pas sourd. Vous allez me dire, alors c'est quoi? Pourquoi la Torah, elle fait? Parce que lui, de toute façon, il est interdit avec l'autre. Déjà. S'il est parti avec une pnouia, c'est une autre chose. Alors, on n'a pas le droit. Un homme qui va vous dire, c'est écrit dans la Torah, ça et ça, on va dire, et si elle Talmud, explique-moi c'est quoi les tefillin de la Torah. D'où on sait qu'il doit avoir 4 boîtiers dans le tefillin de Roche. Tat, pat, 2-2. Dans la Torah, c'est pas écrit. C'est que Simat Chazal. Moi, je vais faire les tefillin comme ils ont écrit dans la Torah. Il va me mettre la paracha. Le Kriyat Shema, bon, il va dire, les mains Torah Tachem Belfira, c'est pas écrit sur ta tête. Il va mettre que le schéma. Bon, on a une Rachava, Vayal, Yudim Midot. Donc c'est Torah, c'est la Torah orale, c'est pas la Torah écrite. Chez Yotze Adam, Midvar Alacha, Midvar Mikra, Shuvenon Shalom, chez Enor, Mitalmud le Mishnah. Regardez bien ça. Imshi, mais regardez bien ça. Regardez comment Rachid nous a expliqué cette chose. Quelqu'un, il était talmudiste. Il fait des Mishnayot maintenant. אם שימש את החכמים שהם מדקדקים, ניתן טעם למשניות. להבין, המשניות הסותרות זו את זו. Comprendre les משניות qui ont des contradictions entre eux. ולמצוא טעם לפתור ולחובה. Expliquer pourquoi c'est pas tout. Pourquoi c'est חייב. לאיסור, pourquoi c'est אסור. להיתר, pourquoi c'est מותר. שהמשנה זו
Karoui Talmud. Cette étude-là, c'est ce que j'allais dire. C'est Talmud. Non, mais c'est ce qu'il dit, c'est ça. Et il y a ça, mais en lo shalom bidvar ora, she'en ora nechona bidvar mishna. Shekama mishnayot yesh she'en divrei mechuvanim. Combien de mishnayot on a qu'elles n'ont pas été tranchées là à la fin. Vetir tzum bnei hachas, c'est les sages du Talmud, ils les ont réparés. Achat mayaskinan, ils ont dit, dans quoi, quel cas s'agit-il? Ou ils ont dit, chasur et mechas, ravi katan, et il manque une phrase. Amani, qui est l'auteur de cette mishnah, tel rav, ben al-hakmoto. Afilou michas les chasses, michas yerushalmi, les chasses bavlishou amok, il a mis le sanedrin, mamachakim, moshivan, qui mettait au lam, du Talmud, chez le Talmud de Babel. Afilou, alors, tosfot. Kanda achoto pnuya. משמע הלישנה דפסיקה לידי יש ממזר מחייבי קריטות, מדינקת אחותו צפה מכל שאר הרעיות. והיינו כשמעון התימני, יאן דיבדנו על הגמרה, הממזר כדי, אסקיביין כדו חייבי סקילה, הוא עושה דר חייב קראת. אינו מכיתה וקססר. יספי לפידי עובדים? לא. זה חייב קראת. זה פעל לפידי. חייב קראת. יפת פנליטי עובדים. Alors, l'Ichora, j'aurais dit, ah, comme il n'est pas Khayav Karet, comme il n'est pas Khayav Skila, il n'y a pas de Mamzer. Il dit, non, Shimon Atim ni Omer, Mamzer, mais Achoto, Khayav Karet. On a eu, quand j'étais avec le Rav Amar, il y avait une famille à Netivot, Rahman Alitznan, une femme qui vivait avec son frère. Elle a eu trois enfants. On les a fait rentrer dans la liste des Mamzerim. J'ai eu l'histoire du fils, c'était le monde, il n'y avait rien à faire. C'est Mamzer Gamour. Avec un échétiste, tu fais des spéqués, spéco. Ouais, mais. Je sais, je sais. Ah, il y a quoi? Il dit un petit vote. Zarayot, non. Mais voilà que c'était le rookie. Mais il y a eu des enfants qui sont nés de cette façon. Ils n'ont pas dit. Elle n'a pas déclaré les enfants. Quand elle est partie à l'hôpital, elle a couché. Qui c'est le père? Elle ne répondait pas. Elle n'est pas obligée de répondre. Avec toutes les lois sociales d'aujourd'hui, on n'est pas obligé de répondre, on n'est pas obligé de dire ça. Chez Michemont. Alors il dit, à la Chaïkob Shimon à Timni, que même Chayave Kiritot, c'est Mamzer. Ça rend Mamzer. Il y a même Mamzer de Rabbanan. Il y a Mamzer de Oraïta, il y a Mamzer de Rabbanan. Mamzer de Rabbanan, il y a Mamzer de Rabbanan. Ça fait que j'ai triché. Ça fait carov là, ça fait carov là. Non, c'est ça. Mais il y a des mamzerim des rabanan. Il y a un mamzer des rabanan. Mamzer des rabanan avec un, ça fait que je l'autorise. Un doute, je l'autorise parce que ça fait que des rabanan là, ok. Mamzer de Oraïta, il faut deux sfekotes pour casser. Un cheresh, tikinou lo kidushin des rabanan. Un homme qui est sourd-muet. C'est Kiddushin de Rabbanan. Donc, si sa femme, elle a trahi, elle a eu un enfant, c'est Mamzer de Rabbanan. Il y a plusieurs. Afilou Michas les chasses, Michas Yerushalmi les chasses Bavli, qui était Péresh Rashi. Rénamar Yerushalmi, Mamachaki, Moshivani, qui mettait en l'âme, et Michas à Bavli. Dans le Talmud de Jérusalem, c'est intéressant. Bon, le Talmud de Jérusalem, il n'a pas. À l'époque, quand il faut savoir, le Talmud de Jérusalem a été scellé en année. 250. En année 250, il a été scellé. Le Talmud de Babel, il a été scellé en année 500. Alors, quand le Talmud de Jérusalem, il se prononce sur le Talmud de Babel qu'il est mauvais, il se prononce en année 250. Le Talmud de Babel n'a pas été bien fait. Donc, aujourd'hui, le Talmud de Babel, Babel, il est bien. Il est aujourd'hui plus. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui te pose la question, qu'est-ce que j'étudie? Tu dis Babel et pas Yerushalayim. Pourquoi? Parce que de Babel, on a le Rif qui a arrangé la halakha des maaseh. On a un beau commentaire de Rishonim. Rashi et Tosfot, le Talmud de Jérusalem n'a pas été touché. Il n'y a pas beaucoup. Il y a très peu. Il y a sur Zraïm, on a Rashi Sirléo. Rabbi Shlomo Sirléo, c'est un des expulsés d'Espagne. C'est le premier qui a commencé à être. On a Rabbi Yoshua ben Benissi. Après, tu as Pnei Moshe, Korban Haeda. On a Korban Haeda, le premier. On a Pnei Moshe. Et on a Pirush Ridva. Ce sont des contemporains. C'est pas des. Pourquoi sont les Talmud de Yerushalmi? Parce que le Talmud de Yerushalmi, d'abord, il n'était pas Israël, il était cerclé, il était fermé. Il y avait les chrétiens en année 500. Il y avait les chrétiens qui dominaient Israël et les musulmans étaient à Babel.
il y avait une frontière. Il n'y avait plus de yeshivot en Israël. Ils étaient tous massacrés par les chrétiens. Et donc, le Talmud de Rabbi Yohanan, il est resté que par... Il se faisait étudier par 10, 15 personnes. Il n'était pas répandu. Le Talmud de Babel, il y avait des yeshivot énormes à Babel. Et ils étudiaient la Torah. Alors même que leur Talmud était moins clair, moins fini, plusieurs auteurs, mais ça s'étudiait. Donc, dans toutes les yeshivot de Babel, les Rabbanen, Sforae et Gaonim, tous étudiaient la Torah de Babel. Tout le monde étudiait la Torah de Babel. Alors, il nous dit, alors même Rav Kahana, il a fait un jeu. C'est pas Rav Kahana, Kaf, c'est Rav. Rabbi Zera. Même Rabbi Zera, de Avatzaïm, il a fait un jeûne. De Lishtakar Minesha Sabavli. Miwa, Apilou Ifra Yeshlomar. Il dit, on peut expliquer même si le contraire, Tosfot, il dit. Tosfot, il dit, Rabbi Yohanan, il a dit ça sur le Talmud. Mais il dit, Tosfot, moi je te dis, ça va sur les deux. Quand tu étudies Yerushalmi, tu ne peux pas étudier Bavli. C'est deux compréhensions différentes. C'est pour ça qu'on dit, Asel Echarav. J'ai vu un commentaire dans Pirkei Avot, Asel Echarav. Quand un homme, il fait deux shiur Torah. Il fait le matin chez tel monsieur. Le soir, chez tel autre Rav. En étude de Gemara. Sa tête, elle est déformée. Parce qu'il ne sait plus comment étudier. Il ne rentre plus. On dit, Olo Kibel Tachnit. À l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient étudier 3 ans chez tel Rav, les étudiants. Après, ils allaient faire 3 ans chez un autre Rav. 3 ans pour comprendre deux manières d'étudier. Mais quand quelqu'un, il a une manière d'étudier, après, il va chez quelqu'un d'autre, il vient que pile-poule, il n'a rien compris, ni de celui-là. Il est perturbé. Il pose le matin la question au Rav du matin, de l'après-midi, il ne comprend pas, il n'a rien compris. Et il vient dire au Rav du soir, il n'a rien compris. Vous dites que celui qui étudie le Daf Ayumim, il entend la première fois avec un Rav, la deuxième fois avec un autre Rav, ça lui fait une bulle noire? Un peu, oui, ça dépend des tendances. Je dis bien là que le Talmud, le Daf Ayomi, il fait un grand bilboul noir. Le Daf Ayomi, pour moi, le Daf Ayomi, je suis contre Daf Ayomi. Moi, je n'aime pas Daf Ayomi. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont étudié. Moi, je connais des gens qui ont fait 5 fois Daf Ayomi. Je leur pose la question, où se trouve une Gemara? Où se trouve rien du tout? Pourquoi Daf Ayomi? Il faut avoir un rite, il faut bâcler. Il faut arriver en 1 heure, faire un Daf. Il y a des Dafé Gemara qu'il faut l'étudier 10 jours. Il y a des sujets compliqués. Mala Asot, ce n'est pas la même chose. Encore une fois, Daf Ayomi, c'est bien pour entretenir une étude, pas pour étudier. Pour avoir une Bekiyout, c'est un Chokhlé Israël. C'est quoi Daf Ayomi? Les gens, ils me disent, je fais Daf Ayomi. Ils vont mieux faire bien. Il faut savoir que le Daf Ayomi, il y a eu beaucoup de Gdolim à l'époque qui étaient contre. Énormément. Quelle était la chance du Rav Shapira? C'est qu'il y avait un parti politique qui était derrière lui, Agudat Israël. Il était membre du CIM polonais. Et là, Agudat Israël a accepté à voter pour ça. Lui, son idée à lui, c'était que tout homme Israël étudie une étude. Il a dit, dans son discours du Daf Ayomi, il a dit, imaginez-vous un juif de Russie qui rencontre un juif de Pologne. Quel est le sujet de tout? C'est bon. Mais il y a beaucoup, beaucoup de rabbanim à l'époque que pour eux, ce n'était pas l'habitude. Ils ont dit, comment tu étudies? Moi, je préfère une étude fixe tous les jours de Torah bien. Bon, moi, sauf s'il y a quelqu'un qui dit qu'il fait son Daf Ayomi 3 heures, 4 heures. Bien étudier, la Kalacha le Maasé, Rashi, Tosfot, il fait une Chazara. Il est dans ça. Mais combien de gens je vois? Je me dis, j'ai fait Daf Ayomi, j'ai fait 2 fois Siyum HaShas. Allez, tu pars, tu poses une question. Qu'est-ce que tu as étudié bien? Il se rappelle un peu des Agadot. Un Daf Ayomi, pour être bien, il faut mettre à la Khalema Asse. Comment on dit à la Khalema Asse? Ouvrir. On se rappelle, c'est Sugyot. Ça sert beaucoup celui qui